belles rencontres, on découvre des superbes ouvrages, on a le privilège de pouvoir discuter avec les auteurs. Ils sont tous très accessibles. Et repartir avec les livres dédicacés, c'est ouais, top. C'est top. Associer le livre, qui est quand même une émanation intellectuelle remarquable, et le vin, qui est quand même si proche de cette ville, qui dans toutes les couleurs que représente le vin est illustré à Saumur. Donc relier les deux, ça va bien, c'est très ancien, hein. Même à l'époque grecque, on reliait la littérature ou l'écriture avec le vin. Je me suis demandé en arrivant, mais qu'est-ce que je viens faire là? Je suis tellement fatigué. Et en réalité, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai discuté avec des gens, j'ai pris le soleil, j'ai mangé des choses incroyables. Et ça m'a boosté. Donc je vais peut-être rester, en fait. Une fois qu'on est sur l'eau, tout est très paisible. On n'est pas bien là, hein? Dans la Loire, enfin, boire un coup. Voilà, la Loire qui se transforme en vin, t'as vu, à un mètre de hauteur.